On zoomait aujourd'hui sur l'éthique du care, appelant de nos voeux une société où l'on se soucierait vraiment les uns des autres. Claude Bourbier, agent de star des années 80, a connu une époque où prendre soin de soi était purement un concept de hippie. Il nous en parle aujourd'hui. Bonjour Claude. Ouais, allô. Non Aziz, non c'est mort Aziz. C'est Aziz qui veut m'inviter à son dîner de mariage. Non c'est mort Aziz, bah, j'ai promis à Pio Marmaille que j'allais déjeuner avec lui. Bah, le Chablis, Côte du Rhône, Côte de Bœuf et crêpes aux anchois à 13h, ça va me faire péter jusqu'à 22h30. T'as famille, elle va pas aimer mon discours, Aziz. Voilà. Et ben c'est la photo pio-pio. Voilà. Je te laisse. Allez, bisous là où t'as des guirlandes dans l'ampion de PQ, mon Aziz. Allez, ça va, mon Mathieu? Bah, ça va bien, là, oui. Oh, mais faut aller faire pipi pendant la pub, mon Mathieu, là. On voit tous que t'es en train de te la pincer sous la table. Faut pas faire ça. Tu vas encore avoir les doigts qui sentent les smacks de Kellogg's. Bon. Ça va la figure, ça va. Vous avez toujours pas été repéré par une vraie radio, genre Swig. Bon, prendre soin de soi. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est important. Mais le dire en anglais, c'est mieux. Voilà. Sinon, Mathieu Noël, il fera jamais une émission dessus. À mon époque, il n'y avait pas tous vos trucs de fragile, là. Pas de prendre soin de soi, pas de care. Non, que des faux frères qui viennent chez toi voler tes scénars et de la kétamine. Mais ça change. Ouais, je dois avouer que moi aussi, j'ai besoin qu'on me care. Enfin, qu'on me caresse un peu le trou surtout, mais non. Normalement, j'ai été à ça de la torsion testicle. Il n'a pas écouté l'émission. Ça part d'un de mes talents, là, Pascal Lelitre. À la base, il est dans des films où on y voit les poils. Ça va, vous voyez de quoi je parle? Ça va, oui. Enfin, des films où on voit les strieurs de fond de sac, là. C'est bon, là, normalement, tu l'as, là. Bon, enfin, des films où on voit la bite, quoi. Bon, bref. Il m'a fait un sale coup, il m'a planté, là, sur le tournage du prochain Kéchiche. Trop de dialogue, il m'a dit. Bon. Oh, je suis rincé, Mathieu. Je fais tout pour tout le monde et personne ne prend soin de moi. Alors moi, je vais le faire moi-même. Bon, pour m'apaiser un peu, je suis parti en thalasso. Dans l'hôtel, il y a comme des tireuses à bière en libre service, sauf qu'à la place de la bière, c'est de l'eau. Oh, oh c'est fade, un anulingus après une douche. Oh non. Alcool interdit, on dit, alcool interdit. Vous êtes toujours sur France Inter. Ça a l'air chiant ton truc, et dans les couloirs, ils diffusent des racines et des ailes, et bon entendeur featuring Yves Calvi aussi, c'est ça. Heureusement, près de ma baignoire, il y avait un fond de sel de bain. Alors ceux qui disent qu'il faut pas se droguer au sel de bain, faut pas les écouter, d'accord? C'est des gens qui suivent encore Mosinor sur Facebook. Si tu veux du tiers, oh là là, hammam sous sel de bain là. Ah ouais. J'avais l'impression d'être dans une chicha. Et avec ma serviette autour de la taille, je me suis senti comme une danseuse orientale. De 80 kilos défoncé au sel de bain. Ouais. Je faisais des danses du ventre à un mec dans le hammam là. Il kiffait aussi, il gueulait. No mas, por favor, no mas, por favor. On m'a viré parce qu'en fait, j'avais pas de serviette. Non. Et qu'on était dans la cuisine. Font que des légumes vapeur aussi dans les thalassos, c'est normal. J'ai réussi à me reposer là dans le bain de source d'eau chaude. Enfin, c'est ce que je disais pour cacher mon odeur de soufre. Ça faisait pas fuir les gens, mais ils fronçaient fort les sourcils en regardant autour. Bon, font que des légumes à la vapeur, c'est pour ça, ouais, vous me suivez pas. En tout cas, je suis requinqué là, mon Mathieu, là, la thalasso, là, je peux te dire, là, ça m'a mis bien. Le Pascal, je vais le mettre sur un biopic de Laurent Romeshko. 34 plus 17 fois 0, ça fait toujours 0 scène de cul, ça lui apprendra. Bon, allez, faut que je vous laisse, là, faut que j'aille finir le dernier bouquin d'Hugo Clément, là, qu'ils veulent adapter en série. Ça s'appelle Les baleines à bosse, c'est pas des arabes, alors sauvons-les. Allez, à très vite. Bisous là où ça sent l'asperge. Pas de tac, là, Hugo Clément. C'est ma limite, Benjamin Crenier. Merci, on vous retrouve jeudi, je crois. Tout à fait. Dans Zoom Z, c'est ça, vous confirmez.